Des dizaines de Gambiens arrêtés en mi-avril espèrent obtenir aujourd'hui la remise en liberté provisoire. La Haute Cour de justice, qui devait se prononcer sur cette demande de liberté sous caution lundi, avait renvoyé le procès à ce jeudi, le temps de recevoir formellement une correspondance écrite de la part de leurs avocats. 37 personnes, dont le chef du Parti démocratique uni, sont inculpées de 6 chefs d'accusation, dont rassemblement illégal et incitation à la violence, selon des sources judiciaires. Certains avaient été interpellés le 14 avril alors qu'ils réclamaient des réformes politiques en Gambie et d'autres le 18, au moment où ils protestaient contre la mort en détention d'un responsable de l'opposition, Solo Sandeng. Lors d'une audience la semaine dernière, les prévenus avaient plaidé non coupables.